tout le monde, c'est Bam95. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera l'épisode 11 de World of Cube. C'est parti. Alors, on en était où? Ok, on en était là. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de changement. J'ai pris un pack de texture pour faire un petit peu. Bon, ça va pas changer des masses, mais ça fait un nouveau pack de texture tout de même. Voilà, bon, je le trouvais sympa. Et puis, c'est celui de base en fait, avec des petits effets. Et puis, une meilleure résolution, c'est du 128x128. Et voilà, et je trouve que ça le fait bien, voilà, c'est tout. Donc, aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je sais pas trop, on va aller regarder déjà ce qu'on a. On va peut-être se crafter une lambic pour faire des potions. Et on va aussi, tout simplement, essayer de trouver des Enderman durant la nuit. Parce qu'il faut, hein. J'ai qu'une d'Ender Pearl et il en faut pas mal. Voilà, donc ça on va le mettre ici. Donc on va faire l'alambic tout de suite. Normalement c'est une blaze rod là. Et voilà. On a une notre lambic. On va la mettre bon, je pense qu'on va la mettre dans notre maison, mais au rez-de-chaussée. Quoi qu'à l'étage, dans le grenier, voilà, on va la mettre dans le grenier. La table d'enchant aussi, d'ailleurs je savais même plus que j'en avais fait une. Donc, c'est une bonne. C'est une bonne nouvelle. J'avais mis mon lit, je m'en rappelle. Alors, on va la mettre. Là, je vais mettre des bibliothèques. Donc, ici, je mets. La table d'enchant, je la mets là. Donc, je mets l'alambic ici. Voilà. Il va falloir que je me fasse des potions, du coup. Voilà. Il va falloir meubler, mais on meublera au fur et à mesure. Voilà, on va faire des petits escaliers vite fait. On va pas trop perdre de temps. Juste histoire de meubler un peu, on va faire. Un petit canapé, allez, soyons fous, on va utiliser le dernier même, hein. Enfin, un extra large canapé. Voilà, hop. Après vous. Oh, et on peut stacker maintenant. Cool, ça je savais pas de cette nouveauté. Bah, je suis heureux de le savoir et de l'apprendre avec vous, donc attendez qu'on craft un panneau, c'est vrai qu'avant c'est un peu abusé. Maintenant on en récupère 3, ok. Donc je sais pas du tout où en est le soleil, il doit être au zénith. C'est cool. Même le soleil, regardez, il est... C'est celui de base, mais il a un effet en plus. Ça, c'est cool. Voilà. Ça, j'aime bien. Ça, c'est bueno, ça. Alors, je vais regarder un petit peu le stuff que j'avais, parce que ça fait quelques temps déjà. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas touché à ce... Bah, quand je vous ai fait la vidéo, tout simplement. Généralement, j'upload la vidéo directement ce soir où je la fais. Donc là, on est le 20. Normalement, j'upload aujourd'hui. Voilà. J'ai beaucoup de trucs à uploader aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, on va aller poser notre table d'enchant en haut. On va peut-être commencer, je vais mettre à cuire des un peu de bois, du sable, ah mais je sais pas s'il y en aura assez du coup. Bon, on va faire cuire ce sable là, on va faire des petites potions pour l'instant, enfin je sais pas si je pourrais parce qu'il faut de la magma cream. Et qu'est-ce que je fais, voilà, hop, et j'en ai pas pour l'instant. Je sais qu'on peut la crafter, il faut des stem balls et des blaze road, voilà. Donc, on le fera, hein, vous inquiétez pas. On va essayer d'ailleurs de récupérer un petit peu. Ah ouais, j'avais pas fini la culture. Aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Ok. D'accord. Ok. Ça. On va juste replanter un petit peu. Finir ça comme. Voilà. Normalement au fur et à mesure ça va se être de mieux en mieux. L'agriculture on la remplit de plus en plus. Voilà. Donc on va faire aussi, peut-être dans cet épisode, je pense que ça peut être pas mal, une usine à slime ball. Voilà. Je pense que je vais la faire ici. Faire une petite usine. Enfin, c'est vraiment pas grand chose, c'est juste une salle droite. En dessous de la couche 40, tout simplement. Voilà. Donc on va se faire deux pioches. Je sais pas si ça va suffire. Non, ça suffira pas. Quand même un espace assez large. Qu'est-ce que je fais? Quand même un espace assez large. Quand cela fait en cobble, je vous mettrai ça en accéléré. En plus, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous mettre pas mal de musiques, vu que j'ai trouvé des musiques sans droit d'auteur, fait par un site. Donc ça, c'est cool. Enfin, des remixes. Donc les remixes n'ont pas de droit d'auteur, qu'ils ont eux-mêmes violé les droits d'auteur. Voilà. Donc c'est parti. On va se creuser une petite salle. Alors, vous m'excuserez, mais je vais quand même utiliser F3 pour savoir la hauteur.
Couche 35, je pense que c'est pas mal. Ah, c'est parti. Ah, j'aime vraiment ce pack de texture, la pierre et tout, je sais pas, je trouve que ça fait mieux. Voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai fini. Petit accéléré. Les amis, donc ça y est, c'est fini. Bon, j'espère que ça sera assez grand. Voilà, donc j'ai juste creusé une salle, c'est pas un truc de fou. Si ça fonctionne pas très bien, bah je tout simplement je d'ailleurs je vérifie un truc, ouais, je remonterai, enfin j'agrandirai plutôt énormément, parce qu'en fait le truc, il faut pas qu'il y ait de caverne autour, sinon les mobs normaux entre guillemets vont spawner, c'est à dire les creepers et tout, ils vont apparaître, et les mobs dits comme les slimes un peu rares, et ben ils vont pas apparaître. Donc il n'y a pas besoin de qu'ils fassent nuit, hein, qu'ils fassent nuit pour que les slimes apparaissent. Donc c'est pour ça que je laisse mes torches. J'avais vu du fer quelque part par là, je sais pas du tout. Il est passé. Bon, tant pis, hein, c'était que pour un bout de fer. Voilà, donc normalement ça va spawner. Faut pas qu'il fasse trop nuit non plus dehors, parce que sinon les mobs spawnent en haut. S'il fait nuit, bah tant pis. D'ailleurs, faudrait qu'on cherche un petit peu de diamant. Mais le truc, c'est que j'ai plus de bois du tout. Je crois que c'est le jour qui se lève. Ouais, le jour se lève. Hop, 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 hop. On entend le nether. On n'ira pas aujourd'hui. Voilà. Donne-moi tes yeux. Donc, on va attendre un peu qu'il fasse jour. Voilà. On entend la petite porte du nether. Donc le pack de textures, c'est le RND ou quelque chose comme ça, craft. Je vous le mettrai dans la description si j'y pense. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, vous pourrez le télécharger. Faut quand même un ordi assez qui a la patate, parce que voilà, sinon, il a la pomme. Voilà. Non, sinon, ça fonctionnera pas parce qu'il. Non. Non, on va aller dormir. On n'aura pas le temps. Bon, bah, il pleut. Alors. Moi je voulais du bois. Est-ce que j'ai du bois par ici par hasard? Ou des bâtons? Bâtons. Ah, des bâtons. On a beaucoup de bois aussi.
On va en prendre deux parce qu'il me faut une nouvelle pioche. Un four. On va faire cuire notre fer qu'on a trouvé. On va se refaire une pioche. Bah non, on a une. Je sais plus pourquoi. Quand on fait cuire notre fer, le pack de texture est vraiment beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a fini ça? Attention, d'ailleurs je vais reprendre le chronomètre. Voilà, donc c'est un accéléré que je pense qu'il durait assez longtemps quand même. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder les agricultures déjà. C'est pas bon qu'il n'y ait pas de monstres. Alors, je dois avouer, je sais pas si ça se verra trop dans la vidéo, je pense que oui. Mais la pluie me fait laguer à fond. En plus les mobs sont intelligents maintenant. Il faut quand même pas mal de coups hein, quoi. Alors on va jeter les œufs. 3. On va faire un gâteau aussi. 7. Et voilà, donc on aura deux nouvelles poules. Bon, oh, on va passer à travers la porte. Je crois. Pas grave. Hop. Il faut des bibliothèques, après on ira enchanter. Je sais pas si j'ai du diamant, donc on va aller faire ça, je pense, aller récupérer du diamant. En plus, la pluie me fait laguer à fond. Et puis on va pouvoir comme ça tenter, regarder plutôt, si notre système fonctionne bien. Il faudrait aussi que j'aille pêcher, parce que bah, je commence en nourriture à être un peu chaos put. J'ai les cochons, c'est vrai, mais bon. Voilà, parce que là j'ai pas trop de nourriture, à part un peu de blé. Je commence à en avoir pas mal, mais je pense que c'est pas assez pour le moment. J'ai pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup de diamants non plus, donc ce qu'on va faire, c'est se faire une pioche en... On va faire une sorte de pioche en diamant, en fer. Et on va regarder d'ailleurs si notre usine fonctionne. Bon, par contre, il faut attendre que ça spawn hein, dedans. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de qu'il fasse nuit. Donc, du coup, on peut laisser les torches. Ça, c'est pas un problème. Voilà. On va poser notre cobble, parce qu'on n'en a pas besoin de temps. Hop. Sandstone non plus. La viande de zombie non plus. Quoique la viande de zombie, ça peut servir. Et voilà, la Nether War non plus, ça 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 non plus. Et voilà. Ah, d'ailleurs, voilà, il faudrait que je fasse une soupe. On le fera tout à l'heure. Bah ouais, c'est plutôt bien les soupes. J'aime les soupes. Voilà. Soupe de champignons, le ragoût de champignons, ça s'appelle. Hop là, petit coup de lag, frappe ce qui fait ses séquences. Ma tête, ma grosse tête. Alors, des fois aussi, il y a d'autres mobs. Ouais, ça a pas l'air de marcher des masses, hein. Peut-être une caverne en dessous, je me rappelle plus trop en fait. Parce que s'il y a des cavernes et tout, pas terrible. Faut attendre qu'il fasse jour et qu'il n'y ait pas de mobs. Parce que s'il y a des mobs, ça fonctionnera pas comme dit. Alors. Oula. Oh. Le problème maintenant de ces versions, c'est que ça lag. Quoi. Ouais, j'ai pas trop envie de vous faire du minage optimisé parce que ce serait un épisode trop en accéléré. Et c'est pas bien ça, de faire un épisode tout en accéléré. Ok, ouais, on va pas faire ça, je pense. Est-ce que... Ouais, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire, finalement, parce que... Moi, je voudrais que mon usine a fonctionne. Puis, vu qu'il pleut, ça nous limite pas mal. Je pense qu'on va faire... On va décorer, on va faire de la déco, aujourd'hui. Alors, attendez. Ouais. Pas trop satisfait pour l'instant. Mais bon, ça va fonctionner, parce que je sais que sur ma map solo que j'avais faite, à l'époque, ça fonctionnait. Peut-être après que ça a changé, hein. J'en sais rien. Bon, on va remonter en tout cas. Voilà. C'est pas terrible qu'il pleuve parce que du coup les mobs sont encore là en haut. Et ça me limite pas mal. Ouais, mais le problème c'est que je suis pas très doué en déco. Voilà. Je me comprends. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, s'occuper de l'agriculture à la finir. Pas grand chose pendant qu'on est un peu bloqué là. Avec les limites. Il n'y a plus besoin de faire ça, je crois. Je joue beaucoup sur Xbox. Voilà, quoi. Hop. Bon, bah voilà, il pleut, c'est pas terrible du tout, du tout, du tout. Je pense qu'on va aller faire du pain, tout ça, tout le bazar. On va faire des champignons géants, aussi. Parce que ça, il faut que je fasse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une nouveauté de la mise à jour 1.8. C'est pour faire des champignons géants. Ça, c'est vachement utile. Alors... Il fallait un champignon comme ça. Un champignon comme ceci. De la bonne mille. Et de la terre. Alors,
planter ça. Je peux pas le planter. Bug ou bug? Ok, je crois qu'il faut pas qu'il pleuve. Ah, j'ai peur que ça pousse pas. Ouais. Peut-être pas assez d'auteur, on va regarder. Couper un peu. J'ai ma hache, c'est bon. Le défi d'aujourd'hui. Faire du ragoût de champignons. C'est de l'orage. Un peu comme en vrai. Ouais, c'est forte chaleur. Hein. Après, il y a de l'orage. Ça tonne bien. Et purée. Peut-être parce qu'il y a un peu de sable et tout, quand c'est un désert après. Ça fait un peu peur quand même. Oh oui! Champignons géants! J'ai envie de les laisser en plus, c'est trop beau. Alors on va en faire un autre. Est-ce que je peux là? Je peux pas partout, ça c'est énervant. Ouais, je pense pas que ça va marcher. Ouais. Alors, ici, bah, c'est exactement au même endroit. Attendez, on va creuser un peu. Peut-être qu'il lui faut un espace pour spawner, je crois que c'est au-dessus. Hein. Si c'est arbre, je sais si c'est arbre. Eh ben, il n'y aura plus d'arbres. Du coup, je vais remettre ça parce que c'est fait moche. Bon, on va faire lui d'abord. Hop. Il suffit de le casser comme ça. Avec une hache à la main, mais bon, je préfère faire avec une hache, c'est beaucoup plus rapide. Allez, hop, un créatif. Hop là. Et voilà, déjà plus de champignons. Et on en a récupéré, je pense, au moins une dizaine. Voilà, 16. Bon, généralement c'est 16. Hein. Alors. On va faire lui, ça marche. Voilà, vous voyez, ils ont pas la même forme du tout. On va faire des ragoûts de champignons. Donc votre hache prend cher très très vite. Vous pouvez les faire en cobble quand vous faites ça. Voilà. Bon, de toute façon là on va arrêter, on va pas faire comme ça. Donc déjà pas mal. 12 et 16. C'est pas mal. Voilà. Tout ce que j'ai dit. Alors. On va enlever les deux pommes qu'on a. On va mettre toute notre faim et que la vie remonte. On va faire notre ragoût. Alors, attendez, il va falloir que je fasse ça. D'ailleurs, le bois de cette mise à jour a un nom, le bois normal. Il a un nom particulier, Wargwood. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. On va faire 12 bols. Allez hop. 12 bols, ça paraît bien. Surtout, je crois qu'on peut pas les stacker. Voilà. On va ranger les champignons aussi. Dans le coffre, je crois. Hop. Et l'autre, il y en a. Ah, si, il me reste là. Ok, donc là si on n'a pas assez à manger, je crois d'ailleurs on va aller se faire une peut-être une salle des coffres, voilà. On va aller faire ça. Ça sera utile pour aller se préparer et tout. Philosophiquement, voilà. Je n'ai jamais fait électrocuter hein, dans le jeu. J'ai jamais vu un clipper électrique non plus. Alors, salle des coffres. Où pourrons nous la faire, on va la faire ici, on va la faire descendre. J'ai pas de pelle. Bon, je vais m'en rater une ici. Tac, on va se faire en pierre. Je vais vous refaire un accéléré. Qu'est-ce que je fais? Je vais vous refaire un accéléré, excusez-moi. Ça gronde fort en plus. Ouais, je vais aller poser mon bazar avant. Et je vous remets un accéléré. Voilà, il nous restera à peu près 5 minutes. Pour aller voir notre usine à slime pour voir si elle a fonctionné. Ce que je ne pense plus guère. Ah, on va poser un peu de nourriture ici. Voilà, bah, pas plus. Ok. Du fil, non, c'est pas dans celui-là. Les armes, flint. Hop, les panneaux pourris.
ça gronde fort, j'espère que ça vous casse pas les oreilles. Normalement j'ai fait quelques tests micro, j'ai encore essayé une fois essayé de régler le petit bruit de fond quand j'en ai. Je l'ai abaissé mais il est toujours là. Ah, les poules bouffent pas beaucoup. Oh. Les creepers. Ah, il va faire nuit. Ah ouais, mais ça il fait nuit. Je pense qu'on va aller faire la chasse au... Ah ouais. Non, on le fera dans un autre épisode. Hein. Chasse aux Enderman. Si on en voit, on en fera. Si on en entend surtout. Surtout qu'ils ont l'air de se rapprocher. Deux derniers. Un creeper. Ok, et j'ai pas d'échelle. Alors, un de plus et on est parti. Là, il y avait la lave juste en dessus, j'avais l'air mal. Hop, hop. Donc, on va pas faire trop grand. Je pourrais juste reposer quelques coffres. Bah ouais, je vous mets en accéléré, quoique non, c'est petit à creuser ça. À faire ça ensemble. Pas grand chose à faire quoi. Hop. On va le faire bien. Le creeper a pété. J'ai entendu un creeper péter. Oh non! Regardez ça, l'arbre il est en train de cramer là-bas. Non? Ou c'est quoi? Si j'entends du feu. Oula! Attendez, on va aller dormir. Ça va passer la pluie. Si, 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 ça y est toujours. Attendez, il y a un truc bizarre ici. Oh! Il se passe vraiment des trucs bizarres dans Minecraft maintenant, je crois. Attendez, c'est quoi? Arrête-toi la pupille. Oula. Attends, j'ai peur que le creeper y pète en plus. Et il peut plus, hein. Oh, merci. Pas mon arc, de toute façon j'avais pas de flèche. On va le contourner, le creeper il va disparaître vraiment. On va aller voir ce que c'est là bas c'est vraiment trop bizarre. C'est... oh, il y a un Enderman. C'est toi qui faisais de la lumière bizarre. Et oui, t'as quoi, c'est bizarre. Attendez, il y avait un truc là, c'est peut-être les araignées. Non mais j'ai rêvé, j'ai vu du feu ou un spawner. Ah, il y a bien du feu. Ça a l'air d'être du feu bugué parce que ça se répand pas. Attendez. Genre si vous voyez, ça allait faire. Ok, c'est du feu bugué. Bah ok. J'avais bien vu quelque chose alors. Étrange, me diriez-vous. Diriez. À nous deux creepers. Elle pète pas, hein, je suis à 4 km. Et voilà, il pète, j'ai rien reçu. Hein. Normalement, c'est pas normal. Bah, excusez-moi, mais bon, le creeper, tant qu'il est pas à côté de vous, il devrait pas péter normalement. Et puis, il pète quand même. Ça, il l'a toujours pas réglé, le développeur. Toi, tu me fais peur là. On va reboucher vite fait. Hop. C'est la nature. Faut la comprendre. Hop hop. Et voilà. On va aller se faire l'arc. L'archer. Donc il y a du feu bugué, je sais pas. Pourquoi.
parce qu'on est en ligne en fait, mais même en solo, c'est peut-être pour ça. Hop, on va aller. Il y en a aussi là. Non mais attendez, c'est n'importe quoi, c'est. Faut pas chercher à comprendre. J'ai envie de dire. Alors c'est parti, on continue. Excusez-moi. J'ai eu un peu peur là, c'est vrai que j'ai cru que tout allait cramer et tout, enfin. Un merdier quoi. Donc j'ai un peu flippé. Donc on est reparti, c'est bon, on a rien vu, il y a rien qui s'est passé, c'est bon, tranquille. Ouh. Ouais, il y a des trucs étranges qui se passent quand même. J'ai entendu le truc péter, je me suis dit c'est quoi ça. J'ai peur qu'il pète. En fait c'est l'orage qui a explosé. Et j'ai perdu énormément. On va manger. Ça les ragoûts, c'est trop bon. Et j'en mange. En plus ça fait régénérer pas mal. C'est cool. J'ai parti. Oui, c'est pas très intéressant pour l'instant. Il va falloir que je repète le mur. Pour pouvoir mettre le fond de bois. Donc on va perdre encore un peu de temps. Et il va falloir que je recreuse encore un niveau. Donc oui. Alors. Parce qu'il va falloir que je mette. Mettre des demi-dalles en fait. Vous allez voir un peu ma salle des coffres. Enfin, je la fais souvent, même sur mes serveurs et tout. Je la fais souvent et je trouve ça assez joli. Je sais pas si on aura le temps, 5 minutes si ça devra aller. On va finir là-dessus. Voilà. Je vais mettre des demi-dalles de cobblestone. Et l'araignée commence à me casser les pieds. Je crois que je vais aller la déglinguer. Voilà. J'ai dit ta bouche en araignée. J'avais rien compris. Hop. Alors on va lui casser sa figure. J'aime bien la cobble aussi. T'es où? C'est toi là? Et voilà. C'est toi là aussi là? Et voilà. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Ok, on est reparti. On va faire d'ailleurs le fond de bois tout de suite. Tac, 38. Ah, ça sera pas suffisant. C'est pas grave, on va faire aussi des midales de pierre. Je crois que j'en ai déjà mis. 4 minutes, ça va être chaud. Hop, voilà. 36, bon, ça devrait aller. Surtout, il va falloir faire des midales de pierre cuites. Ok. Poser ça sur le sol. Ok, oui, c'est assez parce que là, oui, je vais faire normalement 1, 2 deux d'espace et on va remettre une rangée de coffres. Normalement 6 coffres double, ça devrait aller. Voilà, on va aller faire cuire de la pierre. Faut que je fasse l'échelle. Et là pourquoi? Eh oh, ah oui, je peux pas. Ok, hop, on va faire des échelles. D'ailleurs je crois qu'il t'en donne plus maintenant, t'en donne 3. Voilà, comme ça. On va mettre directement le fond de plan en bois. Alors ça ne sera pas assez, je crois. Ouais, je peux sauter là, non? Et ben non. Et ben voilà, donc je vais faire un accéléré pour mettre le fond. Et je pense qu'on finira l'épisode là-dessus, on mettra les coffres la prochaine fois. Voilà. A tout de suite. Hands up.
Voilà, donc j'ai plus de bois, donc bah je pense qu'on va se finir ici sur ce beau coucher de soleil. Voilà, donc c'est vrai qu'il est magnifique avec ce pack soleil qui est un peu plus un peu plus d'effet. Voilà, moi je le trouve mieux. Donc voilà, donc j'ai pas fait grand chose pour l'instant, vous voyez, j'ai juste fait ça, il me manque un peu de bois. Et après il faudrait que je fasse les coffres. Voilà, on va commencer juste à faire cuire les la pierre. Et on va se finir là-dessus. Voilà, déjà j'avais ça qui a cuit. Faire cuire un petit peu de verre, de pierre. Et voilà. Voilà, donc moi, je fais des petites bouteilles et je vous dis salut tout le monde et à la prochaine. Ciao!